Lorsqu'Angélique Leroy et ses enfants se font plaisir, c'est toujours en gardant les yeux rivés sur les étiquettes. Non, tiens, attends. Attends. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Regarde, là en bas, là. Il est combien le prix au kilo? Comme il y a des yeux. Regarde. Bah là, t'as des yeux aussi. Beaucoup plus. Bah, là, t'as des dés de mort. Moi, je veux des yeux. Et t'en as plus. Là, il y a des yeux. Pour alléger le montant de ses courses, cette adjointe administrative hospitalière multiplie les trucs et astuces. Attends, prends ceux qui sont à côté. C'est la même chose, c'est le même bac, et c'est 1 euro moins cher. Hop là. Pour moi, faire des économies, c'est être attentif tout le temps. C'est tout le temps être attentif, regarder les petits points qui peuvent permettre justement de gagner un peu par-ci, un peu par-là, un peu par-ci, un peu par-là. Après 3 ans d'inflation, elle constate que les prix reculent doucement sur certains produits. Je prends l'exemple de la mâche, c'est le cas. L'année dernière, à cette époque-ci, elle était autour de 2 euros, 2,20 euros. Là, on est clairement en dessous de 2 euros pour les 150 grammes. Voilà, les prix ont baissé là-dessus. Bon, OK, il y a des baisses, mais il y a un moment donné, l'équilibre n'est pas là entre la hausse des prix qu'il y a eu ces dernières années et le peu d'augmentation de salaire qu'il y a eu. C'est pas à l'équilibre. Cher client, la caisse numéro 3 va fermer. Le budget course avant le Covid, puisque c'est quand même une période significative pour tout le monde, il y a 4-5 ans, on était à 400-450 euros pour 4 personnes. Aujourd'hui, on est plus près des 500-600 euros pour 4 personnes. Autre poste de dépense particulièrement important pour la famille, l'essence. Vous avez sur les gants, j'ai 2 heures de trajet par jour. C'est pas de la grosse distance que je fais. C'est pas de la grosse distance, je fais à peu près entre 50 et 60 km jour. Mais malgré tout, ça reste un budget. Après des mois à plus de 2 euros le litre, le prix du gasoil a chuté. De quoi faire 20 euros d'économie par plein. Allez, ouvre. Une bonne nouvelle qu'Angélique espère pérenne. Selon elle, le gouvernement devrait donner un coup de pouce en allégeant les taxes sur le carburant, qui représente 60% du prix. C'est une des dépenses les plus nécessaires quand on est une famille classique. C'est un poste de dépense qui peut être revu pour nous. Et pas par le biais de chèques, pas par le biais de réduction de je sais pas quoi. C'est à la pompe. C'est la pompe. En cette semaine de vacances scolaires, la famille n'a pas les moyens de partir. Alors pour occuper les enfants, il faut ruser. Elle est là-bas au fond. Ce jour-là, Angélique les emmène cueillir des pommes dans un verger. Ça fait une sortie qui est utile. En plus, ma fille aime vraiment ça. Et voilà, on a des produits frais, de qualité, pas cher. Faire attention à tout le temps. Allez, on prend encore ces 3-là et on se sauve. À 45 ans, Angélique Leroy est fatiguée de voir son pouvoir d'achat s'éroder. Sa colère monte face à une classe politique qu'elle juge déconnectée. Ils veulent faire 60 milliards d'économies. Messieurs les ministres, messieurs les sénateurs, messieurs les parlementaires, regardez le salaire que vous touchez. J'ai 13 ans de boîte. Je travaille dans un hôpital. Donc je suis agent administratif dans un hôpital. Si ça continue comme ça, je vais rattraper le SMIC. Ouais. Le SMIC, enfin, disons que c'est plutôt le SMIC qui va me rattraper. La peur du déclassement malgré la baisse de l'inflation. Selon un récent sondage, 2/3 des Français continuent de se serrer la ceinture chaque mois. 10 kilos de pain. 10 kilos de pain. Jérôme Fourquet, on se disait, il y a tout dans ce reportage. Hein ? Oui, alors on voit bien le décalage entre les annonces un peu triomphalistes sur « ça y est, on a jugulé l'inflation ». Mais l'inflation, on rappelle toujours, c'est la hausse des prix. Donc ce n'est pas parce que les prix, l'inflation était cassée, ou en tout cas qu'elle est revenue à des proportions raisonnables, que les prix, sauf quelques denrées d'exception, on a vu la mâche par exemple, vont redescendre au niveau où ils étaient avant la vague inflationniste. Et donc tous ces Français qui se serraient déjà la ceinture, aujourd'hui, cela sert toujours. Alors on voit quand même sur l'essence, le gasoil était monté jusqu'à 1,90 €, il est un peu redescendu. Mais donc on a des habitudes qui ont été prises durablement par des millions et des millions de familles. C'est d'ailleurs de connaître au centime près le prix de tel ou tel produit alimentaire. Le fait de chercher ce que moi j'appelle toutes les cordes de l'économie de débrouille. Aller récupérer ses fruits et ses légumes chez un producteur directement. Aller dans certains types d'enseignes.
on ne va pas faire de publicité, mais certains téléspectateurs ont reconnu la façon dont sont agencés les produits, dans quelle enseigne cette famille fait ses courses. Mais elle envoie un message au gouvernement, elle, 60 milliards d'économies, elle rigole et elle dit elle n'y croit pas tellement. Ou alors elle y croit en disant c'est à nous qu'on va encore demander des efforts. Alors elle, à la fois en tant que consommatrice et puis aussi en tant que salariée agent hospitalière, avec cette formule qu'on entend toujours, c'est « je vais finir par être rattrapé par le SMIC ». Ouais. C'est-à-dire que comme on a le SMIC qui est indexé sur l'inflation, eh bien le SMIC a augmenté ces dernières années, et beaucoup de salariés, notamment dans la fonction publique, sont à des niveaux qui, aujourd'hui, sont très voisins du nouveau niveau du SMIC, avec cette idée, double idée de déclassement, en fait. C'est-à-dire, un, je ne peux plus m'acheter de la marque, et deux, facialement, si je suis au niveau quasiment du SMIC, c'est que je suis devenu smicarde. Avec ce chiffre que je vous livre du rapport du Conseil économique et social qui a été publié le 23 octobre, 45% des Français se déclarent dans une situation financière inconfortable. Et le CESE estime que c'est considérable et très préoccupant. Donc ce reportage-là, il doit trouver un écho dans de nombreux foyers. Et tout ça, ce qu'on a entendu, se déroule sur fond de débats budgétaires. Et vous avez vu le petit message, c'est pas avec les chèques aussi. Hein. Ouais, ça aussi. Vous nous envoyez des chèques pour colmater, mais au fond, le problème, c'est que mon travail ne me permet pas de vivre correctement. C'est le vrai sujet des travailleurs pauvres aujourd'hui en France. Alors certes, le gouvernement essaye de s'y attaquer avec un système d'exonération de cotisations assez complexe, mais pour inciter les employeurs à augmenter les salariés pour qu'ils ne restent pas tout le temps au SMIC. Mais c'est vrai que ce reportage, c'est vraiment l'inflation. L'inflation ralentit, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, elle ralentit la hausse des prix. Voilà. Et par ailleurs, c'est difficile, certes, ça ralentit parce que les prix de l'énergie s'améliorent, mais sur les mois à venir, c'est difficile de dire que ça va encore descendre, puisque vous prenez les marges des distributeurs, par exemple. Les distributeurs, là, en ce moment, on va rentrer dans la négociation habituelle, traditionnelle, annuelle, entre les producteurs et les grandes enseignes. Les grandes enseignes, elles voient arriver à l'Assemblée la taxe, la surtaxe. Elles sont toutes concernées par, il faut faire plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elles vont augmenter les prix. Donc elles, en tout cas, elles vont négocier au plus près, et je ne pense pas qu'elles baissent les prix si elles pouvaient le faire. Elles vont se dire, en fait, soit on garde les mêmes tarifs, soit on les augmente, parce que cette taxe, cette surtaxe sur les grandes entreprises, qui font plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui a été proposée par le gouvernement, ça se traduit grosso modo, alors je n'ai pas les chiffres, mais ils ont tous fait, toutes les grandes enseignes, que ce soit Carrefour, Auchan, machin, c'est en centaines de millions d'euros. Donc vous pensez bien, quand vous dites, en fait, dans mon budget de l'année prochaine, je vais avoir 500 millions d'euros à sortir pour payer cette surtaxe, même si elle est temporaire, en fait, j'ai intérêt à serrer. On ne sait pas si elle sera temporaire, du coup. Hein, voilà, pour l'instant, c'est comme ça qu'elle peut bouger. Le temporaire qui dure. C'est ça. Mais du coup, vous voyez l'état d'esprit, et les mutuelles, elles font pareil. Les mutuelles, elles se disent, attendez, on va nous faire un transfert de charge dans le budget de la Sécurité sociale. La hausse des tarifs des mutuelles, si cette dame à une mutuelle, elle peut s'attendre à avoir 3, 4, 5% d'augmentation l'année prochaine. Et mis bout à bout, forcément, cette dame, cette famille ne voit pas une amélioration de son pouvoir d'achat.